Asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut, en maintenant votre attention entre vos sourcils. Asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut, maintenez une légère concentration entre vos sourcils. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatare shayanam, punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatare shayanam iha samsare bahudustare iha samsare bahudustare kripaya pare
pahi murare kripaya pare pahi murare तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है निराकार भी हो कर स्वामी सबका तू पालन करता है निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है तेरी सत्ता का खेल निराला विरला ही महरम पाता है जिन पर कृपा बनी निज तेरी तू वाको दरस देखाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है ऋषि मुनि और संत महात्मा इस दिन ध्यान लगाता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है चकित भयावन बुद्धि तेरी जीवदास गुण गाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Eh bien, namaskaram à tous. Une question qui est souvent posée, à la fois aux États-Unis et en Inde, c'est Sadhguru, est-ce qu'on peut apprendre la musique pendant cette période de confinement? Oui, c'est possible. Mais vos voisins sont aussi chez eux. Ceci est arrivé dans le Tennessee. Une jeune femme vivant à Nashville Nashville est considérée comme la ville de la musique. Quasiment tout le monde aspire à devenir musicien. Si vous allez dans un restaurant, les gens qui vous servent
sont de futures stars. Eh bien, est-ce qu'ils ont vraiment brillé ou pas? C'est une autre question. Mais ils aspirent à devenir des stars. À peu près partout, tout le monde est compositeur, tout le monde est musicien. Donc une jeune femme décide qu'elle aussi va devenir musicienne. Et comme elle n'a nulle part ailleurs où aller, pour le moment, elle commence à s'entraîner dur sur son piano. Et deux jours plus tard, on frappe fort à la porte. Quand elle l'ouvre, il y a un homme avec un sac dans les mains. Elle lui dit, « Qui êtes-vous ? » Il dit, « Je suis un accordeur de piano et je suis venu accorder votre piano. » Elle lui dit, « Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais demandé un accordeur de piano. Eh bien, collectivement, tout le voisinage m'a embauché. Alors me voici. Vous pouvez apprendre la musique, mais les voisins sont aussi chez eux. Si vous avez une ferme reculée, parce que quand vous apprenez la musique, vous devez d'abord pratiquer la torture sur vous-même. Vous ne devriez pas la faire subir à d'autres au départ. Pendant le confinement, la femme de Shankaran Pillai décide qu'elle va apprendre la musique carnatique en ligne. Donc elle commence à prendre des leçons Skype, données par des musiciens de Chennai. Et lorsqu'elle se sent confiante, à l'heure du dîner, elle dit à Shankaran Pillai, « Cela fait 4 jours que j'apprends la musique. » La musique classique, 4 jours. Et je veux chanter pour toi. Il lui dit, « Ok. » Et elle se met à chanter, et ça devient si merveilleux, elle ferme les yeux et se met à chanter. Il détourne les yeux et se remet à manger. Et puis, lorsqu'elle a terminé un raga, elle demande, « Comment c'était ?» Il lui dit, « Tu devrais passer à la télévision. » Elle lui dit, « Vraiment? Suis-je si bonne que je devrais passer à la télévision ?» Il lui dit, « Ce n'est pas ça, au moins j'aurais pu t'arrêter. » Donc, la musique, si vous pouvez la prendre au calme, oui. Mais vous pourriez faire plein d'autres choses. La chose la plus importante est de travailler sur vous-même. Qu'est-ce que travailler sur vous-même veut dire? Physiquement. Fixez-vous simplement de petits objectifs pour les quelques semaines à venir. Voyez simplement quand vous aviez 18 ans, je parle de la première fois où vous avez eu 18 ans. Imaginez que vous ayez 18 ans depuis 30 ans. La première fois que vous avez eu 18 ans, si vous vous penchiez en avant, jusqu'où alliez-vous ? À cette époque, peut-être que vous alliez jusqu'au sol. Aujourd'hui, c'est peut-être comme ça. Voyez simplement si vous pouvez gagner 15 cm. Quand vous aviez 18 ans, à quelle vitesse vous montiez les escaliers? Aujourd'hui, la façon dont vous vous traînez dans les escaliers, voyez si vous pouvez améliorer ça de 10 à 20%. Une amélioration de 20% dans les 2 prochaines semaines. Regardez simplement vos photos quand vous aviez 18 ans au moins, la façon dont vous vous teniez debout, comme vous vous teniez droit, et maintenant, si vous êtes devenu comme ça, redressez-vous un peu.
Regardez plus en arrière. Le sourire que vous aviez quand vous aviez 6, 8, 10 ans, voyez si vous pouvez en ramener 50% sur votre visage en permanence. Pas juste en faisant la grimace avec un sourire en plastique, mais faites revenir cette magie en vous. Si vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de fantastique, vous devez au moins être un fragment de vie plaisant sur cette planète. C'est quelque chose que vous vous devez à vous et à tous ceux qui vivent autour de vous. Cela, vous devez le faire. Donc fixez-vous vos propres objectifs et voyez, ce n'est pas difficile, je vous le dis, ça demande juste un peu d'attention. En ce moment, les gens pensent qu'ils portent le monde sur leurs épaules. Non, non. Si jamais vous êtes en Shirshasana à ce moment-là et que vous prenez une photo et que vous la retournez, on dirait que vous portez la planète sur vos épaules. Mais ce n'est pas la vérité. Que vous soyez sur vos pieds ou sur votre tête, c'est la planète qui vous porte. Et elle tourne toute seule. Le jour et la nuit arrivent tout seuls. Les saisons changent toutes seules. Le soleil va et vient tout seul. Il n'y a vraiment rien à faire. Ces quelques semaines sont le moment pour vous de réaliser que tout ce qui est important dans cet univers a lieu tout seul, pour que vous puissiez vous asseoir et profiter de la générosité de la vie. Et en plus, les mangues arrivent. Vous n'avez pas à y pomper quoi que ce soit, c'est doux en soi. Donc, utilisez simplement ceci. Ne faites pas comme si vous dirigiez toute la planète, comme si vous dirigiez tout l'univers en l'occurrence. Ce n'est pas le cas, ça a lieu tout seul. Vous êtes une toute petite créature qui est ici pour peu de temps. Ne faites pas autant d'histoires. Pour gérer quelques années de vie, ne faites pas autant d'histoires. Ces quelques semaines, vous devez en sortir en étant un être humain plus agréable et merveilleux. Ce n'est pas le moment de... Vous l'avez déjà suffisamment fait, allons. C'est la plus grande chose que vous puissiez vous faire. Si vous êtes assis ici, cette personne est une expérience agréable pour vous. Si vous êtes une expérience agréable pour vous, tout le monde va aussi avoir une expérience agréable avec cette personne. Quelle grande chose vous allez faire ou ne pas faire, cela dépend de diverses réalités. Personne n'est capable de le déterminer à 100%. Vous devez comprendre que nos actions sont en grande partie déterminées par l'époque dans laquelle on existe. Imaginez que vous ayez été là il y a 5000 ans. Est-ce que ça va ou est-ce que je dois revenir plus en arrière? Il y a 5000 ans, étant en Inde, 5000 ans, c'est récent. Il y a 5000 ans, si vous étiez ici et que le virus était arrivé sur vous, vous n'aviez pas à faire de distanciation sociale parce que de toute façon, il n'y avait personne autour de vous. Même si vous aviez voulu infecter, vous n'auriez trouvé personne. Donc vous devez comprendre que ce que l'on fait, nos actions, et ce que l'on fait et ne fait pas, c'est l'époque dans laquelle on existe. Si vous aviez été ici il y a 5000 ans, vous ne seriez pas en train d'écrire du code. Vous feriez autre chose. Vous ne feriez pas toutes les choses que vous faites aujourd'hui. Ne pensez pas que vous les faites, c'est l'époque. Dans l'époque, l'époque dans laquelle nous sommes a sa propre météo. Parfois du beau temps, parfois du mauvais temps. Si vous apprenez à surfer cette météo avec grâce, alors les gens disent que vous réussissez. Si vous faites un problème de chacune des petites fluctuations qui ont lieu, alors vous devenez un échec dans votre vie. Si vous étiez un surfeur, vous savez, vous avez vu les gens surfer sur les vagues. Quel est son rêve? Il voudrait avoir un tsunami.
Le rêve, dans la tête d'un surfeur, c'est un tsunami, une vague de 30 mètres. Waouh, la surfer, ce serait le rêve. Si vous savez comment le surfer, même le tsunami est une chose merveilleuse. Donc là, tout de suite, le virus, il n'avance pas tout seul. Il ne vole pas tout seul pour vous atteindre. Il a besoin de nous pour aller quelque part. C'est à nous de décider s'il va quelque part ou s'il ne va nulle part. C'est notre affaire de veiller à ce qu'il n'aille nulle part. Il ne devrait pas vous atteindre. S'il se trouve qu'il vous atteint, vous devez vous assurer qu'il n'atteigne personne d'autre, à 100%. Parce que c'est le moment de montrer qui vous êtes en tant que génération. C'est le problème d'une génération, parce que ce n'est plus un problème national, ce n'est pas le problème d'une caste, d'une croyance, d'une religion, non, ou d'une race. Le virus est assez, vous savez, très impartial. Peu importe quelle est votre race, votre religion, votre caste ou votre croyance, sans discrimination, il atteint les gens. Au départ, les gens pensaient qu'il n'allait atteindre que les Chinois. Eh bien, maintenant, tout le monde réalise que le virus ne s'intéresse pas qu'aux Chinois. Tout le monde lui va. Plutôt impartial. Donc, c'est le défi d'une génération. Dans cette période de défi, allez-vous réussir à surfer la vague ou allez-vous être broyé? Ça ne peut être déterminé que par le degré de responsabilité avec lequel vous répondez à tout ça. Avec quel niveau de bon sens? Ou vous allez faire quelque chose d'insensé et en faire un immense désastre. En ce moment, en Inde, et dans la plupart des endroits du monde, à part malheureusement dans quelques pays, partout ce n'est encore qu'un... C'est comme un... Beaucoup de gens ne comprennent probablement plus ce qu'est un seuil. Si vous allez dans un temple indien, il va y avoir un seuil de 30 cm. Il va être un peu haut. Si vous n'êtes pas en forme physiquement, vous allez avoir quelques difficultés à le passer. Mais ceux qui sont en forme, sans effort, ils vont passer ce seuil. En ce moment, c'est juste un seuil à passer. Mais si on le nourrit d'irresponsabilité, ce seuil a le potentiel de devenir une gigantesque montagne qu'on ne peut pas franchir. Donc, cela nécessite de se comporter de façon responsable et d'agir de façon responsable. Qu'est-ce que veut dire responsable? En général, la plupart des êtres humains sont dans un état de réaction compulsive. Action responsable veut dire que vous répondez consciemment. Vous répondez consciemment à ce qui se trouve devant vous. Vous ne vous comportez pas de façon compulsive en disant « je vais faire comme ça et pas autrement ». Une réponse consciente. Parce que la responsabilité est juste votre capacité à répondre. C'est la chose la plus importante dans votre vie, d'avoir conservé votre capacité à répondre à tout ce qui se présente à nous. Parce que ce qui se présente à nous n'est pas déterminé par nous, en grande partie. Dans une certaine mesure, on peut décider de ce qui se présente à nous, mais en grande partie, ce qui se présente à nous n'est pas déterminé par nous. Le monde en décide. Mais quoi qui se présente à nous, ce que l'on en fait est à 100% entre nos mains. C'est le moment de montrer qui nous sommes, de quoi nous sommes faits. Sommes-nous des êtres humains ou sommes-nous une créature compulsive et instinctive de plus? C'est ce qui est testé à l'heure actuelle. C'est le test. C'est un test d'évolution pour vous. Êtes-vous encore... Voyez, ça n'arrive pas qu'à un singe que ça gratte quelque part. Même vous, ça vous arrive. Mais vous ne faites plus comme ça. Si ça vous arrive, vous vous en occupez. Si beaucoup de gens sont là, vous ne faites rien. Quand il n'y a personne, vous faites un peu comme ça. C'est une réponse consciente. Ça gratte pareil. Ça,
C'est juste une réaction instinctive. C'est tout ce qui doit avoir lieu. C'est un test d'évolution pour vous. Vous devez prouver que vous êtes devenu un être humain. Être humain veut dire quelqu'un qui sait comment être. C'est le moment pour vous de montrer que vous savez comment être. Mais les gens sont les uns sur les autres pendant des heures. Les gens que vous disiez aimer énormément. 7 jours. Ça devient très difficile pour beaucoup de gens. Donc, vous devez régler cela aussi. Pourquoi est-ce devenu si difficile? Pourquoi est-il si difficile d'être avec des gens? Simplement parce que nous nous sommes forgés des opinions et des idées très arrêtées sur tout le monde, y compris nous-mêmes. C'est une chose importante que vous devez faire si vous voulez vivre ici en tant qu'être humain conscient. Vous devez n'avoir aucune opinion d'aucune sorte. Des opinions arrêtées, ça veut dire que vous avez fait des conclusions sur tout dans le monde. Il n'y a aucune raison de vivre ici. Quand vous avez tiré des conclusions sur tout et tout le monde, y compris vous-même, ça signifie que vous avez détruit toutes les possibilités de la vie. La vie est une possibilité. Mais entre la possibilité et la réalité, il y a une distance. Dans votre vie, allez-vous parcourir la distance ou pas? Avez-vous le courage et la détermination de parcourir la distance ou pas? C'est la seule question dans votre vie. J'espère que vous allez donner une réponse positive à cette question, parce que vous pouvez aborder cela de tant de façons. Cela est arrivé. Après le désastre du chant, je veux dire, après la fin du concert de musique classique chez Shankaran Pillai, elle abandonne la musique classique à cause du commentaire qu'il lui a fait. Alors, 3 jours plus tard, les 3 premiers jours musique classique, les 3 jours suivants, rien à faire, donc elle passe un peu de temps devant la glace, elle se regarde, à quoi elle ressemblait quand elle s'est mariée et aujourd'hui, à quoi elle ressemble. À cause de l'influence planétaire, elle est en train de prendre la forme du globe. Donc elle se tient devant la glace dans la chambre et elle dit, Shankaran Pillai est assis sur le lit en train de lire quelque chose, et elle dit, regarde comment je suis devenu et comment j'étais. Chaque année, ma taille augmente, ma taille de vêtements. Je suis laide, regarde mon visage, tout s'affaisse. Mon beau teint a disparu, j'ai des poches sous les yeux, et cette fichue planète, elle aurait pu être fine. Shankaran Pillai continue juste sa lecture. Alors s'il te plaît, dis quelque chose de gentil, dis quelque chose de bien sur moi. Je suis complètement déprimé à me regarder dans la glace. Dis quelque chose de gentil, dis quelque chose de bien sur moi. Shankaran Pillai lève le nez et dit, « Eh bien, ta vue est parfaite. » Tu as du bon. Donc, ce n'est pas le moment de passer votre temps à trouver des défauts aux autres ou à vous-même. Voyez simplement comment chaque semaine, vous pouvez être au moins 10% meilleur, physiquement 10% meilleur, mentalement 10% meilleur, émotionnellement 10% meilleur, dans votre comportement 10% meilleur, dans vos relations 10% meilleur, une semaine 10%. Oh, 30% de plus à tous les niveaux. Vous allez être un être humain assez fantastique, croyez-moi.
Des questions? Sadhguru, cette question est de Padma Vekatrangan. Namaskaram Sadhguru, une vie aussi puissante que la vôtre a eu besoin de plusieurs vies pour atteindre l'éveil après une rude période de sadhana. Y a-t-il quelconque espoir pour nous, les méditants Isha, qui ne pratiquons que quelques heures par jour? Quelques jours par mois ou quelques heures par jour? Quelques heures par jour. Quelques heures par jour, c'est bien. Well, eh bien, ce que vous demandez, c'est... Sadhguru, est-ce que vous êtes juste en train de gâcher votre vie à faire quelque chose qui ne marche pas? Est-ce que j'ai l'air comme ça? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va faire quelque chose qui ne marche pas pour moi? Je vous le demande, pas pour vous, pour moi. Au sens où, pour que je réussisse, vous devez réussir. Allô? C'est comme un jardinier qui s'occupe de son jardin. Pour qu'il réussisse, toutes les plantes doivent fleurir. Alors seulement, il a réussi. Donc, si les plantes demandent, vous pensez vraiment que toute cette culture, ce fumier, cette eau vont vraiment fonctionner? Les plantes ne questionnent pas leurs propres facultés. Les plantes questionnent les facultés du jardinier. Non, non, je ne suis pas quelqu'un qui va passer ma vie à faire quelque chose qui ne marche pas. Je fais ça parce que je sais que ça va marcher. Ça va marcher, et ça marche. Maintenant, comment s'appelle-t-elle? Padma? Padma Vekatrangan. Ok. Si Padma pense que quand la Padma ou la fleur de lotus s'ouvre, il n'y aura pas de musique de fond, c'est tout ce que je dis. Hier soir, je suis allé devant le temple de Dhyanalinga et l'étang est plein de fleurs. Plein. Avant, il y avait probablement quelqu'un qui coupait des fleurs pour les utiliser dans le temple. Maintenant, plus personne n'y touche depuis une semaine. L'étang est recouvert de fleurs. Il faut absolument voir ça de nuit. Si vous voyez ça éclairé par la lune, c'est fantastique. L'étang est plein de fleurs. Donc, avez-vous entendu la musique? Non. Si vous avez des yeux pour voir et un nez pour sentir le parfum, ça existe. Si vous attendez qu'il se passe un drame, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, tout de suite, tout ce que je vous demande, Padma et tout le monde, c'est... Depuis que vous avez commencé, quelle que soit la pratique que vous faites, êtes-vous un peu meilleur? Si vous l'êtes, c'est tout ce que vous avez à faire. Tous les jours, un peu meilleur, un peu meilleur, un peu meilleur. Un jour, les gens vont vous regarder et dire, « Waouh, quel être humain fantastique !» Vous ne devriez pas vous en rendre compte. Vous ne devriez pas réaliser, « Je suis un être humain fantastique !» Cela n'arrive qu'à ces lutteurs qui font de la fausse lutte. Ça, c'est le comportement de gorilles qui n'ont pas évolué. Les gorilles font... C'est bien pour un gorille. Un être humain ne devrait jamais faire ça. Les gens devraient le voir et dire « Waouh !» Si vous pensez « Waouh !» de vous-même, alors vous avez un gros problème. Donc, ne vous préoccupez pas de savoir si vous grandissez ou pas, ou si vous devenez fantastique ou pas. Focalisez-vous juste sur être plus conscient et faire les pratiques pour avoir l'énergie nécessaire
pour faire se produire la transformation. Vous devez comprendre que la transformation n'a pas lieu du fait de bonnes intentions. La transformation a lieu parce que les nutriments nécessaires sont présents à tous les niveaux. Les fleurs ne s'épanouissent pas parce que vous avez construit un temple devant l'étang. Ce n'est pas parce qu'il y a un temple que les fleurs vont s'épanouir. Elles s'épanouissent parce que le sol est riche. Elles s'épanouissent parce qu'il y a suffisamment d'eau. Elles s'épanouissent parce qu'il y a beaucoup de nutriments dans le sol. C'est tout ce que vous essayez de faire avec la sadhana. Et n'essayez pas de vous épanouir. Nourrissez simplement ceci physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Voyez comment vous désempêtrez. Parce que si vous êtes empêtré, vous ne pourrez pas grandir. Impliqué, mais pas empêtré. Introduisez cela en parallèle de la sadhana. Le programme Engineering intérieur porte entièrement là-dessus. Vous donnez un très fort sentiment d'implication avec la vie, mais sans vous empêtrer. Le seul problème des êtres humains, ce sont des identités limitées. Ma famille, ma communauté, ma race, ma religion, ma caste, ma croyance, ma nation, mon ceci, mon cela. Pourquoi ne pas... Voyez, c'est un secret que je vous dis. Vous pouvez avoir le cosmos tout entier. Personne ne va... Personne ne peut vous arrêter. Si vous essayez de vous emparer d'un lopin de terre à côté, ils vont vous arrêter. Tout vous appartient. Parce que ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous résulte seulement de vos identités. Si vous vous identifiez à quelque chose, ça se met à vous appartenir. Si vous n'y êtes pas identifié, ça ne vous appartient pas. Comment pouvez-vous dire « c'est mon pays » ? Est-ce qu'il vous appartient ? Non, vous dites juste « c'est mon pays » et vous êtes prêt à vivre et à mourir pour lui. Si vous dites « c'est mon cosmos », que vous regardez tout attentivement et que vous vous impliquez avec tout ce qui est là, personne ne va vous faire de procès, je vous le dis. Personne ne va vous traîner au tribunal. Comment pouvez-vous prétendre que cette galaxie vous appartient? Il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas de problème. Si vous vous appropriez ceci, si vous vous appropriez toute la création, y compris toutes les créatures de toutes sortes, alors vous verrez que tout en vous fonctionne à un autre niveau. Parce qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui n'aime pas les frontières. Je veux que vous compreniez ceci. Lorsque votre survie est menacée, vous construisez des frontières. Dès que la menace disparaît, vous voulez vous étendre. Votre seul problème, c'est que vous abordez votre expansion par étapes successives. Le processus spirituel veut simplement dire ceci. Vous comprenez qu'approcher l'infini par étapes est une idée stupide. Parce que l'infini ne peut pas être approché par étapes. Vous allez seulement devenir un décompte sans fin si vous faites ça. C'est juste une question de bonne volonté. Au lieu d'être oui à quelque chose, non, à autre chose, oui, vous regardez cette personne, oui, cette personne, non, cette personne, oui, cette personne, non, cette personne, oui, cette personne, non. Non, vous devenez juste un grand oui à la vie. Maintenant, vos frontières ont disparu. Pour tout dans l'univers, vos frontières ont disparu. C'est à cela que vous aspirez, parce que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, vous voulez être quelque chose de plus. Si ce quelque chose de plus a lieu, vous voulez être quelque chose de plus. Si ça a lieu, vous voulez être quelque chose de plus. Donc n'abordez pas la création par étapes, parce qu'elle est trop vaste. Personne ne peut procéder par étapes et un jour dire « je suis complet ». Donc, Padma, il est temps de fleurir. Avec cet espoir, je suis sûr que c'est avec cet espoir que vos parents vous ont appelé fleur de lotus. Non, je ne fais aucune déclaration politique.
Parce qu'on vit à une époque où si vous dites fleur de lotus, vous êtes de ce parti. Si je lève la main comme ça, oh, vous êtes de ce parti. Non, non, je n'appartiens à aucun parti, mais je vous le dis, vous non plus, vous ne devriez appartenir à aucun parti, pas seulement politique, de toutes les façons possibles. Parce que vous êtes capable de faire votre cet univers tout entier, en vous-même. Parce qu'en ce moment, tout ce qui vous est arrivé n'a toujours eu lieu qu'en vous. Vous avez vu le soleil à travers vos yeux, dans votre mental. Vous avez vu les étoiles, en vous, vous n'y êtes pas allé. Absolument tout ce dont vous faites l'expérience a lieu en vous. Si vous en avez la volonté, tout l'univers, tout le cosmos est en vous. C'est ce dont vous devez faire l'expérience. Cette période du virus est une bonne période pour nous tenter. On peut vous guider à ce niveau-là. Ingénierie intérieure en ligne est disponible. Mais je pense qu'ils font une offre. La Fondation fait une offre. Ce mois-ci, au mois d'avril, ce n'est pas un poisson d'avril, d'accord ? Au mois d'avril, je pense qu'ils proposent ingénierie intérieure en ligne à moitié prix pour tout le monde. Et tous les gens qui sont officiers de police, personnels médicaux, et tous ceux qui rendent des services essentiels en ce moment dans le pays, c'est gratuit pour eux, à 100%.